Ça semble bien se présenter cette fois. On va partir. C'est parti pour la Legend Race, le Prix d'Amérique 2022. Étonnant est parti tout en dehors et assez fort avec Fedo Seven qui est bien parti. Davidson Dupont est bien parti lui aussi. Zakonjo a fait une faute en début de course et est en net retrait. Il va être à l'arrière du peloton avec le numéro 5, Diable de Vauvert. Guderi prêt à l'arrière. Billy de Montfort est très bien parti. Casaque Blanche, Onek est dans le groupe de tête. On est dans le premier tournant de ce Prix d'Amérique Legend Race. Une pensée évidemment pour le grand absent de la course, FaceTime Bourbon. Pense à toi, FaceTime. Premier tournant avec Fedo Seven qui est en tête avec Jean-Michel Bazir à la corde. Billy de Montfort qui part. Participe à son preuve, à son dernier Prix d'Amérique, qui est en tête le long de la corde à l'extérieur. Power se rapproche. Étonnant, le favori de ce Prix d'Amérique est en troisième position avec Anthony Barrier qui reprend son cheval. Dans son dos, il y a Davidson Dupont avec Nicolas Bazir qui quitte son sillage pour attaquer. On passe devant les tribunes, c'est Power qui a pris l'avantage. Power avec Robert Berg qui vient s'installer aux commandes. Davidson Dupont qui passe à l'attaque à l'extérieur, au centre. Il y a Étonnant qui est dans le groupe de tête. Tout près, Billy de Montfort est là. Fedo Seven également. Calus s'annonce le numéro 1. Il vient en descendant avec le numéro 14 également. Delia Dupomereux qui est un petit peu plus loin. Baya Keno à l'extérieur. Côté corde, il y a le numéro 13. Vitruvio à l'arrière. Rebel Amateurs avec Diable de Vauvert également à l'arrière. Chica Jude. On est dans la descente et c'est Yoann Le Bourgeois qui a accéléré pour prendre la tête, hein, sur le pied de 1-0-4. Yoann Le Bourgeois avec le petit poussé de la course. Le champion de Séverine Raymond qui a pris l'avantage, Galus. Galus est en tête, Davidson Dupont l'a laissé passer mais se décale de son sillage avec en troisième position. Étonnant, les favoris sont derrière Galus pour le moment avec en quatrième position Power tout près également. Baya Keno qui essaie de se rapprocher à l'extérieur. Vivid Waiza s'est rapproché également à l'arrière du peloton. Rebel Amateurs avec également Diable de Vauvert qui se retrouve en dernière position. Ils sont en pleine, Galus à l'avantage en deuxième position, le numéro 17 Davidson Dupont. Étonnant est là avec Baya Keno également qui s'annonce tout près, le numéro 14 Patient Delia Dupomereux avec Power, avec un peu plus loin côté corde le 18 Billy de Montfort à sa hauteur. Vivid Wise Eyes, Fedo Seven est un peu plus loin. Étonnant accélère dans la montée, il tente de prendre l'avantage sur Galus qui lui répond. Ah, c'est la bagarre maintenant. Étonnant qui maintenant prend l'avantage face à Galus. Galus qui ne résiste pas. Étonnant, Étonnant a pris la tête avec en troisième position Davidson Dupont qui est derrière Galus à l'extérieur. On vient avec Baya Keno qui est en suspension depuis un petit moment. Delia Dupomereux est tout près également. Est-ce qu'on va pouvoir revenir ensuite où est le plus jeune de la course, Onek? Il est derrière Baya Keno. Va falloir se décaler pour François Lagadec alors qu'on est bientôt de la montée avec toujours Étonnant qui est en tête, mais le petit poussé Galus est toujours dans le coup. Il est deuxième et Nicolas Bazir est tout près également avec Davidson Dupont, troisième, qui commence à se décaler maintenant. L'intersection des pistes maintenant avec Galius qui se décale, qui va venir mettre la pression sur Étonnant qui a l'avantage en embuscade. Davidson Dupont très bien placé alors que Power plafonne. Delia Dupomereux est là avec Onek également qui s'annonce en dehors. Un peu plus loin, il y a Vivid Wasas, 500 mètres encore à parcourir. Galius est en train de prendre l'avantage sur Étonnant. Oh, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, Galius, c'est incroyable. Est-ce qu'on va avoir une victoire d'une femme en tant qu'entraîneur? Séverine Raymond, Galius est parti, Yoann Le Bourgeois. On est bientôt à l'entrée de ligne droite avec Galius qui est en tête. Il reste 300 mètres à parcourir. Avec Galius qui compte 3-4 longueurs d'avance sur Étonnant et Davidson Dupont qui vont tenter de venir le chercher. Il va falloir tenir maintenant à 150 mètres du poteau. Galius est toujours en tête, ça revient derrière. Galius, il ne faut pas se relâcher. Galius qui est en tête. Alors, est-ce que peut-être cette victoire de Yoann Le Bourgeois dans le Prix d'Amérique? Attention car Nicolas se rapproche à l'extérieur. Nicolas Bazir à l'extérieur de Galius. Nicolas Bazir qui vient lutter avec Davidson Dupont face à Galius qui s'est imposé. C'est extrêmement serré entre Galius et Davidson Dupont. Est-ce que, en dehors, Davidson Dupont a gagné? C'est très très pointu pour la victoire.